Bonjour à tous et à toutes, je suis Rélus et bienvenue dans votre feuilleton policier Phoenix Friday Saturday Trials and Tribulations pour découvrir ensemble le début de l'épisode 4. Je ne vais pas résumer l'épisode 3, je vous invite à aller regarder les vidéos qui s'y réfèrent. Tout de suite, la volte-face initiale, l'épisode 4. Six ans plus tôt, Mia Fey, son premier procès. Oh, c'est beau, ça annonce de... Ça annonce tout, là. Dans le premier épisode, on jouait le second procès de Mia Fey, et là, on va jouer le premier procès. Et donc là, ça va être tendu parce que... Normalement, je pense que... ce qu'il aurait fallu faire, c'est... épisode 1, faire le premier procès. Épisode 2, le... second procès, c'est-à-dire le procès d'épisode 1 avec Phoenix Wright, et 3, 4, la suite. Sauf que là, non. Je pense qu'ils ont essayé de prendre quelque chose d'un peu risqué. Au début, ils veulent parler de la première rencontre de Phoenix et de Mia. Ensuite, 3, 4, les affaires. Et là, épisode 4, parce que je crois que sur version GBA, qui était sorti au Japon, il n'y a que 4 affaires. Eh ben, ils ont peut-être voulu nous en montrer plus sur le background de Mia. Et ça, c'est beau aussi, c'est un risque qu'il y a à prendre, mais qui, je pense qu'il aurait fallu mettre au début du 1. Au début de Trials and Tribulations. Mais bon, c'est pas grave, ce n'est que mon avis. Alors. Waouh! Alors nous voyons les stéréotypes d'un condamné à mort, une tenue de prisonnier, des cicatrices sur le visage et un boulet, évidemment. Et ensuite des chaînes. Régis Fleury May. Non, y a pas de jeu de mots, toujours pas. D'accord. Bah dis donc, ça commence bien. Ouais. Alors, non, je l'ai vu, je suis désolé. Et je crois que la faute a été déjà faite il y a 10 secondes. Faute de traduction. Parce que les cours de français. Déjà, ça annonce du lourd. Ah.
Pardon? D'accord. Ah mon Dieu, qui est ce personnage? D'accord. Ok. Donc, je vais. Alors peut-être que ça doit être un retournement de situation. Parce que là on ne sait pas son. Mais peut-être que ce personnage est Godot. Ouais, je pense que c'est Golo. La question que je me pose maintenant, c'est pourquoi il m'en veut. D'accord. Armando. Diego Armando. Ah bah non. Enfin, on me l'a fait pas, Diego Armando. Godot, hein. On me l'a fait pas. Est-ce qu'il s'appelle Boulet? Est-ce qu'il s'appelle Boulet? Donc en fait là avec cette révélation et l'introduction du personnage de Armando, ça fait sens. Donc oui. Je me fous du texte, hein. Je le lis mais je m'en contrefous. Donc là ça fait sens de mettre cette affaire en dernier. Parce que twist final, attention, j'annonce. Armando, machin, j'ai oublié son nom de famille. C'est Godot. En plus vieux. Et ceci doit donc être le juge quand il était jeune. Alors. Mais en fait ce Hunter. Ça alors. Je suis Benjamin Hunter. Bon. Ah par contre, il avait un... Il était très von Karma, si je puis dire. Oui, voilà, alors un autre indice. Il boit du café. C'est avec ça. Si j'essayais de faire un build-up sur ce personnage pour lancer un twist à la fin, c'est mort. Ça va pas le faire du tout. Alors, l'exposé de Hunter. Il y a 5 ans. Ça va. Ah bon? Ah ouais. C'est moi où il avait déjà des cheveux blancs à 20 ans, Hunter, avant que ce soit la lumière. Alors, qui était ce témoin? Valérie Plantule. On n'avait pas rencontré une personne qui s'appelait Plantule. Dahlia Plantule, il me semble. Donc là, encore plus de sens. C'est compliqué cette affaire en fait. Et c'est super intéressant. Je
faudrait que je me regarde les premiers, le deuxième partie du procès de l'épisode 1, mais je suis sûr que c'était Daïla Plantule. D'accord. Moi ça se tient, ça se tient. Ouais non si ça se tient quand même un petit peu. Ça se tient, ça se tient. Waouh. Oula. Injection. Ta gueule. Oh. Non, je... Il a des cheveux blancs, j'ai l'impression. À moins que ce soit... À moins qu'il doit être ultra vendu karma. Donc, le témoin. Monsieur Tective. Tective qui avait un blouson beige à l'époque. Peut-être qu'il est devenu vert au fil du temps. Inspecteur. Waouh. Ouais mais je m'en fous. Ah lol. C'est très le lol pour le moment. Ah ça fait mal détective hein. Ça risque d'être très très intéressant cet épisode. Allons-y pour l'interrogatoire. Déjà, il y a un truc qui va pas. Alors déjà, j'annonce, il y a un truc qui va pas parce que normalement c'est l'inverse. C'est l'accusé qui devrait se retrouver là et la victime. Enfin, l'accusé et la victime devraient être. Devrait changer de place pour que ce soit cohérent. Putain, non, déjà, il y a un problème. Même au tout début de ses rangs d'inspecteur, il disait de la merde. Un manteau épais. Bah dis donc. Donc le vrai témoignage? Oui, oui. D'accord, Godot. Tu me fais une tasse de café. Et tout? Bon, ok. Mais calme-toi, juge. Honneur. Non, mais non. Non, mais c'est bon, Arando, ta gueule. T'es Godot, c'est tout, voilà. Ça devait être un twist, mais même pas. D'accord. Sérieux.
Mais qui était cet inconnu? Putain, comment ça gueule? Comment? Ah, voyons. Et puis quoi encore? Ça, ça aurait été bien de me le donner. Alors, faut regarder dans le dos, laisser une image tout ça, c'est dans les stars, d'accord. Le pont. Oui. Alors, on note. 14 février, Florinette rapporte une écharpe blanche en signe d'identification. Parler à Dahlia, lui dire cette fois toute la vérité doit éclater. Dahlia. Donc là en fait ça fait plein de révélations sur un premier épisode. Donc oui, j'avais raison, c'était Dahlia. C'était normal. Waouh, ta vie est énorme. Bah oui, évidemment, t'as déjà vu un mec en cavale acheter une voiture. Un carjacking. Tout ce que t'as à dire, ça n'a pas l'air très confortable. Vraiment. C'était pas ça. Je sais pas, genre une écharpe. Objection. Putain, vous coupez mon moment, wesh.
Un bonbon de café, ça existe. Je crois que ça existe en vrai, mais est-ce que ça existe à l'époque? Ouais, c'est vrai, tu n'y vois rien de particulier. Pourquoi tu mens? Ouais, je crois que ça ramène du cul. Ouais, ça rame du cul. Oh, ça rame du cul, donc. Oui, où elle est? C'est bizarre, elle a disparu. Pas bien de mentir. T'en mets-toi en cause. C'est déjà putain de mordis. Primordial. Ah bah tu soupires, ça veut finir. Doigt. Exact. Excuse-moi. Ah. Excuse-moi, Hunter. Non mais si tu... Même toi, Hunter, tu... Voilà, une écharpe blanche. Ton écharpe, elle est bleue. Mais non, mais même toi, à l'époque, tu faisais n'importe quoi. Non, mais y a rien de... Y a rien de... Non, y a... Ouais. Alors perso, je suis pas super convaincu par l'écharpe, hein, par cette excuse à la con. Une seconde, hein, ton écharpe pleine de boue, tu te la colle au fion. La victime l'apporte au moment des faits. Ouais bah j'ai. Pourquoi c'est moi il y a des trous? Et Madame Plantue, oui, c'est bien, c'est cool. Allez, vas-y, impressionne-moi, Hunter. Génie de mon cul, ouais. Allez, le drame. Très bien, merci de le dire maintenant. Quelqu'un dans la position que tu m'as dit, il ne tombe pas par terre, il tombe tout court. Ah. Ouais, je veux un nom s'il te plaît. C'est ça, je crois tellement pas un mot. C'est incroyable. J'en crois pas du tout un mot. Non. Oui, c'est clair. Allez. Et moi, je... Non, d'accord. Mais la ferme. Oh, et moi. Oh, respecte-moi. Non mais... Hein? Bon. Donc... Je veux savoir, donne-moi un nom, un trait de caractère, un truc, quelque chose. Une étudiante? Mais ne serait-ce pas Dahlia Plantule? Hein? Parce que tout serait lié.
Hein, tout est lié, hein, je vous le dis. Armando, Hunter, la mort de la sœur de Plantu, Dahlia Plantu, tout est lié, évidemment. Ah, si tu veux. Oui, parlons de ce témoin. Que faisait-elle à ce moment-là, à cet endroit-là, à cette heure-là? Waouh! La brume nuageuse? Je te vois pas. Mia, peux-tu nous donner ton avis de médium? Ah bah c'est important de le préciser, dis donc. Il pleuvait un peu. Dis donc. Ah ah, lol. Très lol. Très lol. C'était terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Waouh, tu te calmes. Je vais pas m'avancer dans des théories fumeuses. Merci de me le dire. Alors, je m'en fous. Non, le plan. Putain, il n'y a plus les personnages. Non. Je joue au jeu des 7 erreurs, ça se voit pas. Je vais présenter les chats parce que je doute. Ah bah c'était pas ça. LOL. Non, j'ai déjà entendu Aldo. Armando, j'appelle ça Aldo. Bien. Thank you.
pas ça. Lol, c'est drôle, t'as vu. Oh, bon, essayons de trouver une solution. On va pas rester là. Qu'est-ce qui va pas? Oh, mais quel con. Ah, mais oui. Aïe. La réflexion d'un homme. Alors, non. Non. Voilà, parce que en fait, c'est de la poussée. Ça doit dire qu'il l'a poignardé dans le dos, donc du coup, ça tombait à terre, donc du coup, ce serait boueux. Je vais quand même essayer parce que j'ai. Je sais pas. Et c'était ça. Je suis une bite. Je suis une bite. Mongolman, c'est mon nom. Bien vu, Sherlock. Qu'est-ce qui ne colle pas? Eh bien, c'est le devant. Là, attends, le devant. Là, de, le, là, ici, voilà. Exactement. Il faisait pluie. Et du brouillard aussi. Il y aurait eu des taches. C'est bien. Waouh. Super vie. En fait, Hunter t'a donné la preuve. C'est con, c'est Hunter qui a donné la preuve. Prends ça! Oh bah Hunter. Bah si. C'est toi le débutant d'abord. Oui, ouais. Y'a pas d'objection. Ah, c'est une vraie question. Si tu veux. Pas mal. Attends, tu te fous de moi, je suis en train de galérer depuis une demi-heure. Oui. Soit la photo. La question de savoir, pile ou face. D'accord. Ok, si tu veux. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, ça parle mal. Oh. La fausse preuve, c'est... C'était pas la photo, c'était pas le corps dans le coffre. C'est la déposition. Allez, on l'y croit. Est-ce qu'on y croit? Et... C'est un mensonge.
c'est la vérité vraie. Et ouais. Ah ouais ouais ouais. Qu'est-ce que tu vas faire, Hunter? Waouh, quand je le dis, je suis pas impressionné. L'implacable vérité. Alors, magnifique gros plan sur cette œil qui bouge. Animation de qualité. 60 FPS pour de la DS. Alors, vas-y. Ah mon dieu. Mais qui est-il? Trop de suspense. Alors, je vais donc m'arrêter là un instant pour dire au jeu que je l'avais deviné. Donc là, ce que le jeu est en train de nous faire, je le répète une dernière fois, après je me tais dessus. On sait d'où vient Godot, on sait d'où vient Dai la Plantule, on saura sans doute que ce sera à qui j'aurais tué sa sœur, je pense, hein, ça me semble évident que c'est le jeu. Et d'autres trucs. Mais déjà, on sait qui est Godot et que Dahlia va être encore une fois défoncée. Je pense sincèrement qu'il n'aurait pas... En fait, le truc, c'est qu'ils auraient dû mettre Armando au début. Je maintiens le fait qu'ils auraient dû mettre ce procès comme premier épisode du jeu. Je le maintiens. Alors par contre, je n'aime pas trop cette musique. Elle est très relaxante et souligne bien l'aspect du personnage, mais... Bref. D'accord. Il a failli faire un doigt. Je vous laisse 10 secondes pour faire toutes les vannes sexuelles sur cette phrase. Voilà. J'appelle ça un mensonge. J'appelle ça un autre mensonge. Là, ce qui serait bien, c'est que la Mia du futur arrive pour un Mia du passé à régler le problème. Et là, ce serait bien. Parce que c'est mon rôle. Ah là là, c'est PNJ. Ton pire cauchemar. C'est donc vous. Speak. Est-ce qu'on peut virer ces papillons, s'il vous plaît? Bon, qui a ouvert la fenêtre? Fil à papillon, appelez Link. Ouais. Oui. Oui. Juste. Attends, tu prenais des photos de fleurs alors que t'es en littéraire? Oui, servons-nous de la carte.
Ouais. J'ai un doute, hein. Mettons que... Il est rose, c'est moche. T'es sérieux? L'impartialité de cet homme. Waouh. Pourquoi? Des fleurs sauvages? Mais quelles fleurs sauvages? Toi aussi, mets un pouce bleu parce que la vie de cet homme est trop bien. Oui, s'il te plaît. Merci. De très près. Oh mon dieu, elles se sont battues. Elles se sont battues. Attention, pourquoi tu pleures? J'ai dit quoi? Bon, l'excuse de merde. De ma gueule. Excuse-moi, je n'ai pas regardé ton superbe appareil photo. D'accord. De téléphone, s'il te plaît. Comment? Pourquoi? Allez, maintenant on va attaquer la meilleure partie. Photo du moment crucial. Tu te foutrais pas de ma gueule, en fait, parce que là, t'as juste pris deux personnes sur un pont. Tu te fous de ma gueule. On est d'accord. Est-ce que tu vas répondre? Vous foutez de ma gueule ou y a pas de mon fin. On se fout de ma gueule. Bon, au moins le juge est content. Allez, d'accord.
Elle était terminée, la pellicule. Ah mon Dieu, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Pour moi, ça ressemble pas du tout à un appareil photo pellicule. Quoi? Quoi? Oh, je t'en prie, ferme ta gueule, le juge. Eh oh, te calme. T'es pas super beau non plus, hein. Reste pas poète sur mort. Vas-y, là maintenant impressionne-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est moi la star, s'il te plaît, respecte-moi. Oui. Attends. Quoi? Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore, Hunter? Mais la ferme? Voilà. Nous sommes d'accord. C'était pas ça. Zut. Zut. Je m'ai trompé. Merci la porte qui claque. Tant pis. Tant pis le perfect. Allez, au revoir. Attention, je me suis raté déjà. Bon. Mais y a un truc qui va pas, c'est obligé. J'en suis sûr. Ouais, à moins que ce soit ça. C'était ça. Oh là là, c'est complexe. C'est complexe. Le jeu galère de ouf. Bah ouais. Et... deux, pas une, deux. Et ben, pouf dans le vide. Voilà, ça déjà c'est fait. Voilà, voilà. Tranquille.
mensonge peut-être. Voilà, elle a menti et c'est pas bien. Et oui, Tessie Hunter. Mais non, mais et ça me parle très très mal, dis donc. Oui, si tu veux. Oh oui, vas-y, impressionne-moi encore. Mais virez-moi ces papillons. Allez, est-ce que c'est la dernière déposition, parce que ça va peut-être faire presque une heure. Oui. Quelque chose qui m'emmerde et à la fin. Non, ou non, tu crois qu'on est fichu? Ah putain, tu m'impressionnes, Armando. À l'attaque. YOLO. Donc, je m'en fous. Na 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 na. Je m'en fous. Comment t'es au courant? Pourquoi tu dis ça? Pas tout à fait faux. Pardon. 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 Tu crois sérieusement qu'il y a un truc qui va pas? T'as des traits bizarres, toi. Oh, tes allégories sur le café. Que je dis, laissez.
Je vais peut-être me rater, hein. Ah non, j'hésite. Ah, j'hésite. L'attention. L'attention, l'attention, l'attention. En réfléchissant, qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, bah non, attends. Vous pouvez aussi même jeter dans le... Test. C'était ça. Mais j'ai pas compris par contre. Ah ben oui, on était d'accord. On est d'accord. Ouais. On est d'accord, ouais. Mais quel est ce moyen? C'est la rivière, évidemment. Ah, phénomène naturel, parce qu'il est médium, c'est drôle, rigole. Mais la ferme, ça a du mérite, s'il te plaît. Non, Hunter, tu calmes. Je suis pas d'accord. Qui parle de nous. Oula. 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 Objection. Il y a un truc qui va pas là, on est d'accord. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Comment elle le savait? De vos propres yeux vus. Mais comment tu le sais? Voilà aussi, comment tu le sais, comment tu l'as vu. Comment le savais-tu? Tu as menti. Tu as encore menti. Fous-toi de ma gueule. Pas bien de mortir. Et ouais. Ah, c'est bizarre, étrange tout ça. Que tu vas breakdown.
Personne ne comprend. Personne ne comprend. C'est désagréable. Mais pointe pas du doigt. Ouais, toi le premier d'ailleurs, le jeu. Je connaissais pas. Le jeu m'apprend des choses. Oui, 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 bla bla bla. Je suis pas content. Essayez de me souvenir. Et c'est pas con. Et c'est pas con du tout, Diego. Allez, Diego, go. Elle se contredit honteusement, monsieur Nardi. C'est bizarre. Oh, c'est tellement bizarre. C'est à se demander comment elle a fait. Tu voulais que je te fournisse une explication? Mais bien sûr. Mais surtout car elle a caché le corps. Je vois que ça en fait. Révélation. Et ça c'est un twist. Que personne ne s'en doutait. Et où? Et oui. Mais au feu rouge. Donc les clés t'es sur le courant. Donc dès que tu vois s'il y a les clés, pourquoi tu fractures ton coffre? Je vois, tu vois que tu mens. Bien, donc du coup, est-ce que maintenant on peut s'arrêter là? Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'absurdité. Ah bah là, Hunter, il y a aussi une explication. Là, tu vois, Hunter, il y a une explication rationnelle. La technologie va me répondre. Car c'est son appareil photo qui a fait ça tout seul. Elle prend ça. Regarde son appareil photo rose moche. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as compris où je veux en venir? Et oui, c'est bien. Alors là, vous posez sans doute une question.
exactement où se trouvait-elle? La réponse est simple, mais remède d'un twist. En fait, Mélissa, c'était la victime. Curseur, allez, petit à gauche, petit gauche, droite, oui, presque, allez, on y croit, allez, je crois mort, voilà, presque, non, je ne veux pas, ok, on va viser la souris, donc, et voilà, et donc en fait, c'était la victime, exactement, twist de ouf que dans. C'était le troisième twist. Enfin, le deux twist et demi. Elle a rencontré une personne. Et il y a le breakdown. Enfin, le corps n'a pas. Bref, il y a la musique. C'est faux. Elle ne savait plus parce que attends, non, je vais trouver, laisse-moi une seconde, parce que l'écharpe, et ouais. Et oui. Incroyable, n'est-ce pas? Révélation. Allez. C'est ça ton breakdown? Serait-elle décédée? Lol. Et pas fin de l'affaire. Voilà. Voilà, moi j'ai même plus besoin de résumer. Mais on s'en fout. Yay. Cool. Comment ça c'est pas fini? Comment ça assure? Oh mais non mais merde. Oh je suis déçu. Non mais j'avais les preuves, merde. Oh je suis déçu. C'était un peu dur, mais je suis déçu. Normalement là c'est fini. Merde. Tellement déçu. Bon, tant pis. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé votre feuilleton jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un like et à le partager sur tes réseaux sociaux favoris tels que Skyrock, MySpace ou encore Tumblr.
Si c'est la première vidéo que tu regardes, je t'invite à regarder le contenu que je produis et si ça t'intéresse de me suivre sur les réseaux sociaux et de t'abonner à la chaîne. Quant à moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à la prochaine.